le message de la parole de Dieu. Côté nous prenons chita pour nous tendre des paroles là.
Établirez dans votre pays
et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel, parole du Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous avons comme sujet Dieu peut vous restaurer. Quel est le sujet de ce matin? Dieu peut vous restaurer. Matin, comme mot-clé que nous avons un texte là, c'est restaurer. Restaurer, c'est qui ça? Le signifie restaurer, c'est rétablir en son état ancien ou en sa forme première. Lors de restaurer nos bagages qu'on a gagnés, nos bagages qu'on a gagnés, soit qui antique là longtemps, ou dit pour le restaurer, pour le faire vivre neuf encore. On va le faire vivre même jeune autrefois. Même des faits qu'il y a là. Nous capables de restaurer nos monuments, nous capables de restaurer nos routes. Et maintenant, nous capables de restaurer aussi, c'est reprendre des forces en mangeant. Et parfois, des mondes qui sont dit, eh bien, il y a maigri, il y a fini, il y a cette force qui manque. Je sens que vous n'êtes pas capable de faire rien. Vous avez besoin des fois de consulter un docteur qui est capable de qui est capable de prescrire des vitamines qui pour B12, qui est capable d'aider. Eh bien, vous êtes capable de reprendre la force un peu. Et que les gens tout matin qui ont trouvé tombé en bas de dépression. Et la dépression, ça, que vous trouvez là-dedans, eh bien, dans la dépression côté OIA, vous permettre de ne pas manger, de ne pas baigner, de ne pas vouloir, de ne pas sortir, de ne pas habiller, de mettre les sous. Et puis, vous ne pouvez pas vous mettre dans le monde. Il n'y a pas de rencontrer avec personne. Il n'y a pas de aller à un docteur. Eh bien, Jean de Cassayo, il y a un seul monde qui a un moyen qui est capable de restaurer, c'est l'Éternel des armées. Nous disons que nous devons restaurer, c'est l'Éternel parce qu'il est le réparateur des brèches. Il est le consolateur des âmes. Fliqué. N'en point en lien que bon Dieu n'a pas faire. Quel que soit temps, il va dépasser mon Dieu. Mais quel que soit état que vous trouvez là, il va dépasser mon Dieu le contrôle. Mais quel que soit la situation que vous trouvez là, bon Dieu est capable de mettre au campé d'accord. Parce qu'il est le réparateur. Il est le restaurateur. Il est capable de restaurer. Nous jouons selon la Bible. Eh bien, une femme que nous connaissons très bien, qui a consulté des grands spécialistes dans la parole, parce que nous avons perdu de sang depuis 12 ans. Donc, elle a regardé parce que nous avons besoin des spécialistes. Ça veut dire monde qui est capable de déterminer cause là et qui va une solution efficace. C'est ça nous entendons dans la banque de nous spécialistes. C'est un monde qui met de la matière. C'est un monde qui contrôle le bien, qui va diagnostiquer et puis il boit médicaments selon sa consentie. Mais cependant, les docteurs ne peuvent pas faire rien, même les spécialistes aussi. Car les passeurs ne vont pas contrôler, et bien finalement, spécialisation avec les malheureux, nous ne pouvons pas faire rien pour vous. Vous mettez à la couche la caillou, pour ton maman, peut-être dans un an ou bien dans 6 mois, vous ne pouvez pas vivre encore, mais à la couche. Mais madame est intelligente.
pas qu'à faire. Même temps, il y a un homme qui a parlé de lui qui compte faire miracle et qui dans une zone qui a passé. Et puisque l'homme ça a compte faire miracle, qui dans une zone qui a passé dans une zone, même si tu as une force, m'a prévu. M'a passé dans le fond de mon nom, même si tu as en face, mais même si tu touches la vie seulement, je connais qu'à jouer la guérison. Bien aimé, ça, c'est pas seulement la foi qui est liée, mais il y a aussi la détermination de cette femme. Et alors, la femme n'est déterminée, la femme n'est pas d'accord pour mourir dans la condition spécialiste au monde de mourir. Et bien, il dit, pas prendre chance avec Dieu. Et Jésus, parce que le docteur par excellence, le maître des maîtres, lui-même qu'on est restauré, lui-même qu'on est réparé. Et puis, femme, réellement, il saute, il entre dans la foule, il chauffe l'école, malgré tout égaré, tout sans force. Et bien, il touche moi Jésus. Jésus dit, me sentir une force sauter moi-même. Il dit, qui pour ça touche maintenant. Femme, n'a pas peur, pour te camper. Parce que les ça, alors, il y a peine de sang, parce qu'il doit approcher, doit toucher pour. Vous devez mettre en isolement, vous devez être loin de tout le monde. Et femme, n'a dit, camper pour dire, oui, c'est moi-même qui touche au bout. Femme, n'a dit, la foi au guérir. Et femme dans le resto. Pas de nous jouer de l'autre cas encore. Après, on prend un cas dans le Nouveau Testament, on prend un cas dans l'Ancien Testament. C'est la femme synamite. Qui est un petit garçon dans un âge avancé? Petit garçon malade, il voyait le mari, al serré pour lui, voyait mon moyen, bras les autres. Marie a dit, mais qui problème pour s'en rire? Dis pas de nouvelles, lui, dis ça, pas de quoi on parlait. Il dit, Marie a pas inquiété, vous êtes serviteur, vous êtes là-bas, tout va bien. Pendant que tu mourir. Et puisque, il y a un monde qui te parle avec, qui te connaît pas, c'est bon, la qualité visiter, qui te dit, on va embrasser mon petit, il vient embrasser petit, ta mère, petit, ta mouille, il dit, hein, elle va accepter ça pour ça, pour aller à l'autre monde, non. Elle a le côté, pour que ta mère l'a fini, il dit, il est assis. Mais c'est madame Sinamite qui est venue, moi de nommer de la nature, et pour y accorder la mort de la vie, ça qui passe. Et ça, il est allé pour lui, il dit, ça vous gagne, pour cette amour de nous, ça vous gagne. Il dit, regardez, Géasi, toute bagaille, bien. Il dit, c'est prophète qui a besoin, c'est prophète qui a moi. Il dit, l'éternel est vivant, non, moi vivant. Il dit, prophète, nous cherchons, au plan de la taille pour nous, nous ne pas quitter. Et finalement, le prophète l'a déplacé. Et en route, le prophète a réalisé que femme, eh bien, il y a un problème, il doit être assis, allez, il est sur la chambre, et bien, il dit qu'on ne couche qu'à là. Mais cependant, il est arrivé, il fait tout ça, il est capable, rien n'a pas. Le prophète est arrivé, il est rentré dans la chambre. Il couchait sur tout le monde, il mettait même la main, il mettait même la main, il mettait tête dans la tête, les yeux dans les yeux, il couchait sur une première fois par guerre, il couchait sur lui de deuxième fois, et puis chez Timounda commençait à réchauffer, et puis Timounda escalier. Et bien Timounda ressuscité, il répète, il dit, maman, pas de l'homme qui était capable de faire ça, c'est l'éternel des âges. Nous trouvons le dernier monde, c'est la dame, la femme. Eh bien, qui te gagne un seul petit garçon, la veuve de Naïm. Veuve là, un seul petit garçon. Il n'y a pas d'intérêt petit là. Veuve qui fait en tant qu'on vient célébrer. Mon capot de croyou. C'est qu'il y a sous terre. Madame n'a dit qu'on m'a rien à rien, qu'on m'a rien à rien, il m'a pas supporté parce que petit là, c'est lui-même de tête, c'est qu'il y a. Voilà que c'est lui-même qui a marqué la petite là pour la rendre belle. Madame est désolée, madame n'a pas perdu tout espoir, madame n'a pas comme ça pour le faire, madame n'a pas qu'à manger, il n'a qu'à boire, il s'est désolé, il est désorienté, il est fini, pas d'espoir pour lui encore. Mais pendant le temps, il a rencontré avec Jésus toujours. Amen. Et il a rencontré avec Jésus. Jésus dit, monsieur, vous pouvez se faire avec des secrets là. Ou capable de comprendre dans une situation, il y a des gens qui ont dit, oh, ça vient là. Bon,
filho que fait velho, e quando ia o chão, tem até para o cara ter lá, tem que ser que lá, tem que ser calvo. E ele na Bíblia diz: se tu crois, tu verás a glória de Dieu. Qui ne va pas préparer l'homme, monde qui est capable de faire. C'est seul bon Dieu qui vous descend pour vous dans votre situation, dans votre problème, dans votre calamité, dans votre tribulation. C'est seul bon Dieu qui vous descend, qui vous retire au là-dedans. Pas que mon Dieu vous retire au là-dedans. Et comme ça, Jésus fait mettre ses pieds à la terre, une méditation, il lève et puis il remet, il va y avoir. Et bien, c'est seul Jésus qui est capable de renvoyer entièrement. Et non seulement de renvoyer entièrement, il ressuscite, il va être nommé dans la vie. Et maintenant, mais nous avons des textes là que nous devons nous maintenant dans Ézéchiel chapitre 27. À partir du verset 1er au verset 14, les renvoyons à l'autre vision parce que le chapitre 36 a été une vision déjà. Et pour Dieu, pas changer Ézéchiel de place pour bien Ézéchiel est là. Mais cependant, qui ça va bien faire, il va Ézéchiel un sentiment en dedans pour le sentir que lui transporter pour le coucher dans le cabanier. Il y a une vallée qui est remplie avec ossements défaits. Nous sommes dans une vallée qui est remplie avec ossements. Il y a une bonne zone. Pas de questions, pas de
bon Dieu, il dit seulement, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Quand on a dit pasteur Simon, mais pour qui ça le répond pour dire Seigneur éternel, tu le sais. Il a raison. Parce que quand le bon Dieu est le réparateur, est le donateur de la vie, et non seulement, il connaît Dieu dans ses attributs qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, ça veut dire, bon Dieu étant connu qui s'appelle. Bien-aimé Mathéon, nous avons dit ça déjà. Bien-aimé Mathéon, il y a des situations qui viennent devant. Ça m'a dit là, peut-être parce que je vais répéter une première fois là déjà, mais m'a dit oui encore matin. Il y a des gens qui ont prié avec tout le monde qui est malade. Les gens qui ont prié comme ça. Seigneur, nous devons guérir comme ça. Nous devons toucher pour nous. Nous devons faire comme ça. C'est pour agir avec prudence. Bon Dieu m'a donné l'autre dans mes pères. Et Seigneur était le serviteur et le prophète à viser. Il dit Seigneur éternel. Tu le fais. C'est vous qui connaissez ce que tu as vu, c'est vous qui connaissez ce que tu as vu, c'est vous qui connaissez parce que tout pouvoir, toute autorité, c'est la même que Dieu. Mathieu a besoin de venir au mon Dieu. Levez-vous dans votre bureau, le caractère, levez dans votre bureau, dans l'attitude, dans la façon à m'habiller, dans la façon à comporter, dans la façon à parler, dans la façon à agir, du côté au passé, c'est pour lever dans mon Dieu bien. Nous sommes des éléments de toi. Mettez-moi sur l'estomac, vous dites que c'est des éléments de toi. C'est pour changer. Vous savez que nous sommes des éléments, tout le monde est des éléments de toi. C'est seulement ça nous fait différer des éléments de toi. Nous vivons l'église, des éléments de toi, l'église. Tout le monde est des éléments de toi, tout le monde est des éléments de toi. Voilà chrétien, et de combien de bouteilles, c'est 6 bouteilles, c'est la toute quand on la caillon, tous ces chrétiens, vous savez, vous faites une bouteille ça, au mon Dieu. Tu vas nous aller, tu vas nous aller.